Ok, salut tout le monde, on est parti. Bienvenue à ce stream, un petit stream solo, organisé, prévu quand même là. J'avais pensé faire ça aujourd'hui. J'avais un petit temps libre en après-midi avant de commencer le travail ce soir. Je travaille en soirée aujourd'hui, donc je me suis dit pourquoi pas streamer un peu avec notre chère communauté sur Twitch d'Échec Mental. Salut Chris, bienvenue dans le chat. Salut Deadlocks aussi, content de te voir. T'as été bien actif dans le chat de Léa hier, c'était cool. Vous avez été quand même pas mal nombreux aussi à la suivre dans son stream, dans ses aventures. Elle me disait hier soir qu'elle était pas satisfaite nécessairement de la performance de son jeu, mais qu'elle avait eu beaucoup beaucoup de plaisir en votre compagnie. Donc au final, c'est probablement ça la vraie raison de streamer finalement. C'est juste de faire des belles rencontres comme vous, comme toi Chris, comme toi Deadlocks. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans le titre du stream, dans la description, j'avais envie en fait de profiter de ce petit moment-là que j'ai cet après-midi pour échanger avec vous finalement sur comment finalement on peut améliorer un peu son jeu. On le fait souvent de manière plus ou moins informelle, on discute de ça ensemble, quoi faire pour améliorer son score, pour juste se développer des nouvelles techniques d'ouverture, améliorer sa tactique, améliorer son niveau de jeu de manière générale. Mais je voulais vraiment en fait centrer la discussion autant que possible aujourd'hui sur ce thème-là. Et puis je voulais pas non plus qu'on reste juste en fait sur les échecs, c'est-à-dire que souvent de manière générale dans la vie, j'aime ça aborder les choses de manière un peu, on pourrait dire, holistique, c'est-à-dire j'ai l'impression que pour améliorer son jeu aux échecs, il faut aussi améliorer d'autres choses dans sa vie, si on veut, c'est-à-dire améliorer sa mémoire, bien sûr, améliorer sa concentration, améliorer sa vivacité d'esprit. Toutes des choses en fait qui bénéficient des échecs, du fait de jouer aux échecs. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de petits trucs en fait dans la vie de tous les jours qui peuvent être faits, qui vont nous faciliter la vie aux échecs. Donc je me demandais si vous avez déjà vu les choses un peu sous cet angle-là, et si effectivement vous pratiquez soit des sports, soit des exercices de méditation, de concentration, de respiration, qui peuvent finalement vous aider grandement dans vos performances aux échecs. Donc, c'est les petites questions en fait que je me posais comme ça aujourd'hui. J'avais envie d'ouvrir la discussion sur ce thème-là. Je vais quand même jouer un peu aux échecs, bien sûr, là. On va pas juste jaser. Je vais jouer un peu aux échecs. Je vais aussi faire quelques problèmes. Donc, par exemple, sur l'échiquier en ce moment, on a un petit problème à résoudre. Et puis, qui sait, je sais pas si Saphirose va se présenter, mais je sais que hier, pendant le stream de Léa, elle a dit qu'elle voulait prendre une revanche contre moi. Moi et Saphirose qui avons joué ensemble la semaine dernière. Je pense que c'était jeudi soir, pendant notre main show du jeudi soir. Puis, elle m'avait lancé un défi et j'ai été assez surpris moi-même de gagner. Faut dire qu'elle a fait une gaffe en début de partie, elle a perdu sa dame. Donc, ça, c'est sûr que ça l'a pas aidé. Puis, je pense pas que c'était non plus une belle, comment je pourrais dire. Je pense que Saphirose, habituellement, elle joue beaucoup mieux que ça. Là, elle voulait peut-être m'impressionner, elle a voulu me mater très rapidement avec sa dame, et elle avait oublié en fait de roquer préalablement pour aligner finalement une de ses tours avec ma dame, ce qui aurait permis effectivement de me mater très rapidement en début de partie. Mais petite gaffe de sa part, ça n'a pas été possible pour elle. Cependant, Saphirose, elle joue super bien. Donc pour moi, ça va être un adversaire de taille. Donc si jamais elle se présente dans le stream aujourd'hui et qu'elle veut prendre sa revanche, ben oui, moi j'accepte son défi là, volontiers. On va avoir beaucoup de plaisir à jouer. Donc, gênez-vous pas, hein, comme je disais aujourd'hui, c'est ça, là, j'avais envie un peu d'ouvrir la discussion sur qu'est-ce qui peut être fait finalement, autant sur l'échiquier qu'en dehors de l'échiquier,
pour améliorer son niveau aux échecs. Moi, personnellement, bon, évidemment, je joue beaucoup de manière quotidienne, principalement sur l'eChess, donc en ligne, online, avec des utilisateurs de partout dans le monde. Mais je joue aussi presque sur une base quotidienne avec Léa sur l'échiquier. Puis ça fait longtemps, en fait, là, on joue ensemble presque quotidiennement depuis le mois de novembre ou le mois de décembre. Donc, on se connaît bien, honnêtement, moi puis Léa, comme ça, de cette manière. Là sur l'échiquier, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, quand on joue ensemble sur l'eChess, c'est jamais la même chose exactement. Moi je vois vraiment une distinction finalement entre notre jeu quand on joue ensemble sur un échiquier et notre jeu sur l'eChess. Je sais pas pourquoi, difficile à dire. J'avais déjà entendu dire que quand on parle de lecture, là je parle vraiment du fait de lire un roman par exemple et non de lecture de la notation aux échecs, mais quand on parle de lire un roman, le fait de manipuler des feuilles de papier avec nos mains, ça donne des informations supplémentaires finalement à notre cerveau qui aident à la mémorisation du texte qu'on est en train de lire. Et je me demande s'il y a pas quelque chose de cet ordre-là un peu aussi avec les échecs, c'est-à-dire le simple fait d'avoir vraiment la présence de quelqu'un en face de soi et le fait de pouvoir vraiment toucher, manipuler les pièces. Je me demande si c'est pas des petites infos en fait de plus sensorielles qui sont envoyées par notre système nerveux à notre cerveau qui aident en fait à juste comme nous mettre le cerveau à la bonne place pour jouer aux échecs. Je sais pas, c'est une question comme ça. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Chris Bliss qui dit c'est pas la même vision en réel, t'es en 3D sur le PC, t'es en 2D, déjà c'est très différent effectivement. Je suis très d'accord. Je pense que déjà juste ça en fait, ça fait que on n'est pas tout à fait dans le même niveau de concentration. Un autre truc évidemment que je fais aussi là pour essayer de m'améliorer aux échecs, pas nécessairement pour vrai pour monter mon Elo. C'est sûr qu'on parle souvent de Elo, comment je pourrais dire, c'est une manière évidemment très efficace pour déterminer avec quel joueur on peut jouer, quel joueur ou quelle femme joueur on peut jouer, puis avoir du plaisir finalement parce qu'on va compétitionner les deux dans la même catégorie finalement. Mais bon, je veux dire, il y a le Elo, puis il y a juste le plaisir de jouer. Puis quand je parle de progresser finalement aux échecs, ben c'est aussi progresser dans cet ordre d'idées-là, c'est-à-dire juste de progresser, avoir encore plus de plaisir à jouer finalement. Puis pour faire ça, en fait, moi évidemment je fais un peu de lecture. J'en ai parlé la semaine dernière, mais je me suis procuré un beau livre d'un monsieur très connu dans le monde des échecs qui s'appelle Laszlo Polgár. Et puis donc c'est 5334 problèmes. Je suis pas rendu très loin là, je suis encore dans la première partie qui consiste principalement à une série de maths en un coup avec les blancs. Donc ça, je fais ça aussi sur une base quotidienne. Sinon j'ai un petit livre aussi que j'ai trouvé en librairie qui s'appelle Improve Your Chess. Malheureusement, j'ai rien trouvé en français. J'ai fait deux librairies et les deux n'avaient aucun livre d'échecs en français. Donc, j'ai été obligé de me retourner vers ce qu'ils avaient en livre en anglais. Mais bon, c'est pas très... C'est un monsieur qui s'appelle William Artson. Je sais pas s'il est connu, lui, dans le monde des échecs. Je sais que Monsieur Polgar est beaucoup plus connu. Mais ouais... Monsieur William Artson, ça aussi, à date, je trouve ça bien, honnêtement, c'est bien expliqué. Il y a beaucoup plus de textes là dans le livre de Polgar, c'est vraiment que des problèmes, alors que dans le livre de Monsieur Artson, on a quand même beaucoup de textes, plus d'explications, des grands concepts qu'on connaît ou principes qu'on connaît par rapport aux ouvertures, donc contrôler le centre, des choses comme ça. C'est cool, j'aime beaucoup ça, mais comme je disais, ça c'est vraiment des trucs plus comme accès, comment je pourrais dire, pas accès, mais des choses pratiques vraiment concrètes par rapport aux échecs. Mais ce qui m'interrogeait, en fait, ce que j'avais envie de savoir, c'est, comme je disais tantôt, est-ce qu'il y a des choses aussi dans la vie de tous les jours? Donc, moi, je sais, par exemple, que
quand je joue aux échecs, après avoir fait un minimum d'exercice physique, là, je parle pas d'avoir fait beaucoup, beaucoup de sport, mais quand je joue aux échecs, après avoir pris une marche, par exemple, ou après être allé courir un peu, ou juste des étirements, des choses comme ça, déjà, je me sens beaucoup plus calme. On dirait que je me suis aéré un petit peu le cerveau. Puis habituellement, c'est dans ces moments-là que j'ai l'impression que je joue le mieux, ou que du moins, pas nécessairement que je gagne tout le temps dans ces moments-là, mais on dirait que je me sens meilleur dans ces moments-là, en fait, parce que justement, j'ai bougé un peu, puis je pense que ça aide à ma concentration. C'est peut-être juste moi, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Je vais regarder un petit peu ce que vous me dites dans le chat. Il y a Chris Blitz qui dit que les top players ne boivent que de l'eau, hein. Ça, je sais pas pour vrai si c'est vrai. C'est sûr que j'avais lu que ouais, les top players ont quand même une hygiène de vie là qui s'apparente vraiment à celle d'un athlète de haut niveau, d'un athlète olympique. C'est-à-dire que évidemment qu'il est pas possible de performer dans un tournoi, de jouer des parties de 4, 5, 6 heures de temps qui sont très très demandantes mentalement. Il est pas possible de faire ça, j'imagine, après avoir bu une quantité d'alcool déraisonnable. Il y a peut-être des exceptions. On a vu bien sûr dans la série Queen's Gambit que bon, c'est un personnage fictif là, mais que Beth Harmon, ça l'empêchait pas de gagner, mais qu'au final, c'est un peu ça qu'elle a été obligée de développer en fait une meilleure hygiène de vie pour devenir une athlète des échecs plus sérieuse, si on veut. Donc, ouais, les joueurs de haut niveau ne boivent que de l'eau, mais j'ai un petit doute là-dessus, j'ai un petit doute. Ce qui me fait penser d'ailleurs à un autre livre que je suis en train de lire, ce sera une thématique littéraire aujourd'hui, mais j'en avais parlé il y a quelques streams. J'ai finalement reçu La Diagonale Alekhine d'un monsieur qui s'appelle Arthur Larue. C'est paru chez Gallimard ce printemps. Je pense que c'est sorti au mois de mars. Et c'est très bien. Donc c'est de la fiction. Mais c'est largement évidemment inspiré de la vie de Alexandre Alekhine, qui apparemment était un gros buveur, le monsieur, là. Il n'était pas du genre à se restreindre sur sa consommation. Apparemment, il était même classique pour lui de déjeuner avec une bouteille de champagne. C'est-à-dire qu'il se faisait livrer son petit déjeuner, et ça incluait du champagne aux petites heures du matin. Pourquoi pas? Ça y a pas nuit dans son jeu, en tout cas. Je vais retourner voir qu'est-ce que vous me dites dans le chat, pardon. Deadlocks qui dit non, c'est faux, surtout en France, ils boivent tous comme des trous. Et je sais pas si Chris Blitz peut corroborer cette information-là. Et oui, sport égale libération d'endorphines, donc meilleur focus. Ça dure que peu de temps et tu fatigues plus vite. Bon point, c'est vrai ça. Faut trouver la balance, j'imagine, dans tout. C'est-à-dire que si, par exemple, avant un tournoi, un joueur d'échecs se dépense trop physiquement et qu'il est plus, il est trop fatigué finalement pour vraiment performer pendant. On sait que c'est des longues parties pour performer pendant toutes ces heures-là. Ça se pourrait effectivement que ça se passe moins bien pour lui. Donc ouais, faut trouver la balance, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici dans le chat? Ouais, ben vous y allez avec des petites. Deadlocks qui dit t'es pas allé à la boutique stratégie. Non, pas encore, mais je vais bientôt, je vais bientôt. Là, présentement, je suis pas à Montréal, mais je devrais probablement y aller ce jeudi. Donc, si j'ai le temps, et probablement que je vais avoir le temps, peut-être jeudi dans l'après-midi, là, j'irai faire un tour à la boutique Stratégie. Probablement que là, effectivement, je pourrais trouver des bons livres en français là sur les échecs. Donc, yes. Et Chris Blitz qui dit, en général, juste avant un tournoi, tu ne fais pas de sport 2, 3 jours avant. Ah, ok, intéressant, intéressant. J'imagine que de sport, peut-être pas, mais ça dépend ce qu'on inclut dans sport. C'est-à-dire, est-ce que la marche va être considérée comme un sport ou juste une activité physique? Parce que ça, j'avais lu aussi que quand même beaucoup de grands maîtres vont pratiquer la marche avant une partie, juste avant en fait. C'est peut-être aussi juste une manière de gérer leur stress, mais marcher comme ça pendant 20-30 minutes avant une partie,
Apparemment, c'est ce que beaucoup de joueurs font pour améliorer leur jeu. On sait que c'est excellent pour l'oxygénisation du sang, pour le cœur de manière générale, là, évidemment. Donc, j'imagine que ça peut aider. Un autre truc aussi qui est conseillé, c'est la méditation. En fait, très en vogue depuis une couple d'années, là, un petit mouvement de néo-bouddhiste californien qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de méditation. Mais c'est vrai que on le sait, la méditation pour optimiser sa concentration et aussi pour améliorer la qualité de son sommeil, ce qui va être indispensable, je pense, pour bien jouer aux échecs. C'est quand même très efficace, honnêtement. Puis moi-même, je pratique un peu la méditation, pas aussi rigoureusement que par le passé. J'ai fait quand même pas mal d'arts martiaux dans ma vie. Puis mon sensei à l'époque insistait là, pour que chaque cours débute avec une période de méditation et se termine également avec la méditation. Puis à l'époque, honnêtement, je comprenais pas trop pourquoi il nous faisait faire ça. Moi, j'allais au dojo plus pour bouger, pour me dépenser physiquement. Puis avec le recul maintenant, plusieurs années plus tard, je réalise que... toutes les techniques de défense, techniques de combat que j'ai appris, je les ai pas vraiment gardées, mais toutes les techniques de respiration et de méditation, ça, j'ai vraiment gardé ça, et c'est probablement ce qui avait de plus important, je trouve, dans son enseignement. On sait que, oui, juste le fait de méditer 10 à 20 minutes par jour réduit énormément le stress, réduit énormément l'anxiété et aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à comment je pourrais dire, avoir un sommeil de meilleure qualité, ce qui fait en sorte, de manière générale, qu'on va avoir un esprit plus focus, plus clair durant les périodes d'éveil. Donc ça me paraît quand même des avantages là, pour jouer aux échecs. Je ne sais pas si vous êtes des fans de méditation ou d'arts martiaux. Je vais aller voir ce que vous me dites ici dans le chat. Chris qui dit « Tu peux marcher, etc. Mais l'idée est de ne pas aller jusqu'à voir les petites étoiles quand tu forces un peu. » Oui, comme on disait tantôt, justement, avant un tournoi ou avant des parties importantes, effectivement. Il faut se ménager un peu, faut pas trop s'épuiser. Et tu dis « Ouais, la méditation, c'est très bien. La veille d'un tournoi, j'aime bien juste me poser dehors, prendre l'air. » Oui, en fait, je pense que ça, c'est un très bon point. Je pense que c'est une forme de méditation. On associe souvent, en fait, la méditation à la position du lotus, par exemple, ou comme du yoga, ou le taoïsme, le bouddhisme, des choses comme ça. Mais dans les faits, on peut méditer vraiment de différentes manières. On sait qu'il y a des méditations actives, qu'il y a des méditations passives, puis on peut méditer debout, couché, assis, les yeux ouverts, les yeux fermés, et vraiment différentes manières de méditer. Moi, comme j'ai dit, j'ai vraiment appris plus la manière zen japonaise dans les cours d'arts martiaux que je faisais. C'était de l'aïkido que je faisais. Petite parenthèse sur l'aïkido, il y en a qui disent que c'est pas un vrai art martial et que l'aïkido c'est pas efficace. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. C'est sûr que de la manière que l'aïkido est pratiqué sur le tatami entre pratiquants, c'est effectivement pas martial, c'est pas axé sur l'attaque. Quand on pratique ensemble sur le tatami dans un dojo, c'est plutôt dans une logique de respect de l'autre pour trouver la manière d'harmoniser le mouvement et de pratiquer les techniques sans faire mal à l'adversaire. Donc quand on regarde l'aïkido comme ça, on peut s'imaginer que on dirait plus que c'est de la danse plus qu'un sport de combat, mais l'aïkido appliqué, comment je pourrais dire, avec les principes martiaux, sans le côté trouver l'harmonie dans le mouvement, peut être très, 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 très efficace. Là. C'est juste que quand on le pratique sur un tatami avec d'autres aïkidokas dans un dojo, le but, c'est pas de leur faire mal, c'est juste de pratiquer la technique. Donc, petite parenthèse sur l'aïkido, c'est fini, mais c'est là que j'ai appris, en fait, la méditation, et moi, ça passait beaucoup, beaucoup, beaucoup par la respiration.
Donc le simple fait en fait de inspirer très très tranquillement des grandes bouffées d'air, garder en fait cet oxygène là le plus longtemps possible, tout relâcher, puis répéter le même mouvement en fait en contrôlant sa respiration. Et c'est vrai que bon, au début je trouvais ça ennuyant, je trouvais ça difficile, je voyais vraiment pas le point. Mais après un certain moment, après une période de méditation, on peut soit ressortir de cette méditation-là très énergisé ou très relaxé, en fait. Genre, il y a différents types de méditation. Puis, le côté énergisant, moi, me plaisait beaucoup. C'est d'ailleurs quelque chose que je vais faire quand si je me réveille le matin et que, pour X raisons, j'ai moins bien dormi ou je me réveille puis j'ai l'impression que je suis encore un peu dans les vapes ou que j'ai un léger mal de tête. Une petite période de méditation de 10 à 20 minutes. Et on dirait que je sors de ça là, totalement énergisé, pardon, totalement frais et dispo. Donc ça, je vous le conseille, là, vraiment, ça vaut la peine. Échec mental qui écrit en caps lock, Sifu André. Ça, c'est le Sifu. Ça, c'était pas mon maître d'arts martiaux à moi. Moi, mon maître, c'était Sensei Caprilian. Hein, c'était en Aikido, donc Sensei, c'est l'appellation japonaise. Sifu André, c'était le Sifu de Kung Fu, de Léa. Léa, elle a pratiqué le Kung Fu pendant quelques années. Moi, j'ai pratiqué l'Aikido. Et puis Deadlocks qui dit ma méditation quotidienne c'est quand ma femme arrête de parler. À chacun sa vie. Oh come on Deadlocks. Ok, je connais pas ta femme, je peux pas juger, mais c'est pas très gentil pour elle. Je suis sûr que c'est de l'humour que tu fais là. C'est comique. Et échec mental, c'est peut-être Léa, j'imagine, qui dit « La méditation et la pleine conscience, c'est vraiment important. Ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique, si je prononce correctement, très pertinent, même en cas d'attaque de panique. » Ouais, non, c'est assez fou, en fait, ce que le contrôle de sa respiration peut faire là, quand on sent monter le stress, quand on sent monter l'anxiété. Et je me demande même justement si en jouant aux échecs, pas à mon niveau évidemment, là, mais quand des gens compétitionnent dans des tournois, si on s'entend que ça peut être assez stressant parfois, là, surtout lorsqu'on parle de tournois de haut niveau. Je me demande si appliquer certaines techniques de respiration en jouant aux échecs serait pas une bonne idée justement pour garder son self-control, là, garder vraiment son calme mais être autant que possible là, en contrôle de ses moyens. Donc, des petites questions comme ça, je me demande si ça aide. Bon, mais c'est bien beau tout ça, hein? Assez de blabla, assez de préambule, ça va être le temps de jouer un peu. J'ai joué une partie aujourd'hui que j'ai finalement gagné, mais j'ai été surpris de gagner parce que j'étais pas justement très concentré. Depuis tantôt, je parle de concentration, mais c'est probablement parce que c'est une de mes failles. On le sait, des fois, je fais des gaffes, je suis pas tout là, je suis pas tout concentré, donc c'est pour ça que j'ai envie d'améliorer ce volet-là de mon jeu. Mais oui, j'ai joué une partie que j'ai gagnée, j'étais content. Sinon, j'ai fait un peu de résolution de problèmes ce matin, mais beaucoup moins que d'habitude. Là. Je voulais garder justement le moment opportun aujourd'hui, le stream pour faire ça. Donc, on va commencer avec un petit peu de résolution de problèmes. Donc, on voit ce qu'on a sur l'échiquier ici. Les blancs qui ont fait tour en E1. Et là, c'est au noir de jouer pour trouver la solution ici. Donc, tout de suite, je trouve qu'on a un fou qui est super bien positionné en B7, qui a une belle diagonale là, directement sur le roi. Donc, le roi des blancs qui est protégé. Mais j'aime bien la position du fou. J'aime bien aussi la position de la dame, mais évidemment, il va falloir qu'on la bouge. Là. Elle est menacée par la tour des blancs actuellement, donc pas le choix, il faut bouger ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a aussi ici? On a le cavalier qui pourrait faire une belle petite fourchette. Sauf que pour l'instant, justement, si on fait ça, on perd notre dame. Donc, c'est un peu hors de niveau en ce moment. Ce qu'on pourrait faire, cependant, je me demande si la solution ne passerait pas par prendre la dame, justement, qui est en E1. Prendre la tour, pardon, avec notre dame en E1.
Là, automatiquement, on le met échec. Ensuite, logiquement, ce qui fait, les blancs vont reprendre notre dame avec leur tour, qui est actuellement en A1. Et après, non, c'est pas une très bonne piste finalement. Maintenant que je réfléchis à ça, c'est sûrement pas par là que la solution passe. On aurait possibilité de le mettre échec avec notre dame en C5, mais ce serait une très mauvaise idée vu la position du cavalier des blancs en B3. Donc ça, je pense pas que ce soit la solution actuellement. Sinon, est-ce qu'on peut bloquer la dame? Non, la tour des blancs. Non, on peut pas vraiment bloquer la tour des blancs. Ouais, c'est un beau petit problème, ça. J'ai envie. J'ai l'impression de juste vouloir sauver la dame en allant en F6, mais c'est pas très dynamique comme coup, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ce serait plutôt simplement une réponse au coup des blancs, et je vois pas vraiment en quoi ça m'aiderait à attaquer. Ce qui pourrait être fait, par contre, je pense qu'il serait pas mal, ce serait de prendre son fou avec la tour. C'est-à-dire prendre le fou en F5 avec ma tour. Donc, à ce moment-là, peut-être bien que je perds madame, mais je pourrais prendre la sienne au prochain tour. Et j'aurais pris un fou en plus. Donc, ce serait plutôt un bon échange pour les noirs. On va essayer, on va voir si c'est ça. C'était ça. Donc, il a pris directement. Et là, je me demande, en fait, oui, je devrais logiquement prendre sa dame. Au risque, bien sûr, de perdre la mienne, mais encore une fois, c'est plutôt un bon échange pour moi. Non, c'est pas ça. Ok. Peut-être plutôt. Plutôt à ce moment-là, prendre sa tour. Non. Ou simplement bouger ma dame. Non plus. Ça c'est fâchant. Quand je commence et j'ai le premier bon coup et après non, ça c'est fâchant. Bon, je vais pas trop regarder le chat parce que j'ai quand même envie de trouver la solution par moi-même, mais je vais aller voir ce que vous avez écrit précédemment par rapport à notre discussion. Deadlocks qui dit « Je crois qu'il y a méprise sur un truc. Seulement 50-100 personnes sur la planète peuvent prétendre pouvoir vivre des échecs en jouant en tournoi. » Absolument. Oh, oui, non, c'est sûr. Tous les autres doivent faire plusieurs tâches connexes. Donc, c'est du plaisir jouer en tournoi pour la plupart des gens. Absolument. Oh, oui. Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Deadlocks. Mais comment je pourrais dire? Je partais simplement du principe que oui, c'est du plaisir, mais c'est du plaisir d'autant plus grand si on prend ça au sérieux, dans la mesure où même si c'est un petit tournoi, même si c'est un petit tournoi entre amis, pas besoin de se mettre de la pression là, mais pourquoi pas essayer de performer du mieux qu'on peut finalement, ne serait-ce que comme je disais tantôt, juste pour avoir encore plus de plaisir à jouer. C'est de là que je partais tout simplement. Pas de souci, Chris, tu dis ok, sorry, mais non, je vois ce que tu as écrit dans le chat et je trouve qu'effectivement, ça serait quand même bon. J'avais mentionné tantôt justement, on peut prendre sa tour avec notre dame, puis ensuite au prochain tour, prendre sa dame à lui. Ouais, je pense que t'as raison. C'est ça, effectivement. Yes, ouais, puis là, voilà, on a réussi à prendre un fou, une tour. Sa dame et nous, on a perdu seulement notre tour et notre dame. Alors, c'est quand même bon pour nous. Petit avantage matériel. Alright, prochain problème. Donc, meilleur coup pour les blancs cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour les blancs?
c'est quand même bien en ce moment. On a un pion en H5. J'aime bien sa position. Évidemment, proximité avec le roi, possibilité de mettre le roi échec avec notre dame. Évidemment, là, il y a sa tour là, qui est menaçante un peu. Donc peut-être que ça passe pas par là. Peut-être qu'il faut essayer de menacer cette tour-là avant toute chose. Par exemple, avec la tour qui est actuellement en E8, si je viens la placer en E6, ça me permettrait probablement de prendre cette tour-là grâce à mon pion qui est en D5. On va essayer ça, on va voir. Non, ce n'était pas ça. Ok. Sinon... Sinon, attends, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe si je le mets échec avec la dame directement. Donc, je le mets échec en plaçant ma dame en G6. À ce moment-là, il prend, je perds ma dame. Ensuite, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, oui, parce que grâce à ma tour qui est là, le roi ne pourra pas reculer. Et ensuite, moi, je mets mon pion en G6. Il est échec et mon pion est protégé par la... Oui, voilà. Donc, faut sacrifier la dame à ce moment-là. Voilà, c'était ça. OK, prochain problème. Meilleur coup pour les blancs. Meilleur coup pour les blancs. Ici... Ici, j'ai l'impression qu'il faut prendre sa dame, peut-être, avec notre dame. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Si je prends sa dame tout de suite, comme ça, directement, je perds la mienne, j'ai pris la sienne. Est-ce que je me retrouve dans une meilleure position par la suite? À moins que... J'allais dire, il y aurait possibilité aussi, avec notre cavalier, de mettre le roi échec, en plaçant notre cavalier en G6. Mais, probablement qu'on perdrait simplement notre cavalier. On ouvrirait cependant la colonne H. Et oui, je pense que c'est ça. Parce que ensuite, je pourrais placer ma dame en H3. Et là, il serait échec et mat. Puisque notre fou contrôle la case G8 dans le moment. Donc je vais essayer ça. Cavalier en G6. Voilà. Et là, dame en H3. Oh ben oui, c'est vrai, il peut faire ça. Mais là, on prend la dame. Et c'est échec et mat. Good. Prochain problème. Meilleur coup pour les blancs. Donc les blancs ici, il me reste une tour, un cavalier contre un fou et une tour. Ça sera pas facile. Il y a peut-être une petite fourchette possible avec le cavalier en E7, mais bon, la présence de la tour actuellement des noirs m'empêche de réaliser ce coup-là. Qu'est-ce qui peut être fait sinon? Bon... Cavalier en H6, le roi est échec, il va probablement sauver en G7 pour menacer mon cavalier, donc là je suis pas nécessairement plus avancé. Ah ouais, hein? Ça c'est un beau petit problème, ok. Cavalier en E7, non. On ferait simplement perdre notre cavalier. Avec notre tour. Bon, évidemment qu'on peut aller menacer le fou. Si on menace le fou, cependant... c'est peut-être ça. Si on menace le fou se tasse. Ensuite, nous, on place notre dame en D8. Il est échec. Et le roi ne peut pas se sauver en G7 vu la présence du cavalier des blancs.
Donc on va essayer ça. On menace le fou. Ah, ok. C'est pas du tout comme ça que je croyais que... Ah, il se donne une petite porte de sortie ici. Mais on peut prendre son fou quand même. Et là, on est échec. Je me sauve. Et voilà, c'était ça. Good. Prochain problème. Un meilleur coup pour les noirs. Meilleur coup pour les noirs. Ok, c'est quand même pas mal. On est vraiment proche d'un mat. Ouais. Bon, ils sont fous en E2 qu'on pourrait prendre. Il faudrait que je le prenne avec la dame, cependant. Au risque de la perdre, bien sûr, mais en même temps, la case en ce moment, E2. Il y a le cavalier des blancs, bien sûr, qui a une incidence dessus. Il y a sa reine également. C'est peut-être pas ça. Mais je me demande si je prends son fou avec madame. Logiquement, lui, il prend avec son cavalier. Et là, je peux plus... Bah, je peux prendre son cavalier avec mon cavalier. Ensuite, il prend mon cavalier avec sa dame. Et là, moi, je prends sa dame avec mon fou. Donc, on a échangé les mêmes pièces. Est-ce que présentement, j'ai un avantage matériel sur les blancs? Non. Ouais, pas simple. Chris qui m'écrit « Allez, je me le permets, tu calcules trop ou trop vite. Tu dois d'abord penser, regarder, examiner, puis calculer. » Merci, Chris. Merci. Je prends ce conseil en bonne note. Effectivement. Effectivement. On va regarder là plus... on va prendre un peu notre temps. Là. Qu'est-ce qu'on a ici? Là? Quelle pièce est vulnérable en ce moment? Il y aurait possibilité pour moi de faire une petite fourchette, là, évidemment, avec le cavalier en C2. Donc, si je fais ça... Je perds mon cavalier, logiquement, parce qu'il va prendre avec la dame. Mais qu'est-ce que ça me libère, moi? Ah, je peux toujours pas vraiment prendre son fou, puisqu'il va simplement reprendre après avec la dame. Je pourrais développer une tour, mais j'ai pas l'impression que c'est ça la solution à ce problème. Ou bien je... Ou bien je prends le fou avec mon fou. Non. Ouais, pas simple, pas simple. Je vais aller voir les sages conseils de mon ami Chris, échec mental, qui me dit « Moi, j'avais dit la fourchette. » Oui, oui, ben c'est ça. Là. Effectivement, il y a la fourchette qui est possible, mais ça se pourrait que ce soit ça, mais logiquement, si je place mon cavalier là, je le pars automatiquement parce qu'il va prendre avec sa reine. Donc, j'ai pas l'impression que c'est ça. Chris, il me dit 1. Liste les coups qui font échec. Tu les calcules pas. Ok, on va commencer par ça. C'est quoi nos coups ici qui font échec? Donc, il y a dame en E2, échec. Ensuite, on a... Ah, cavalier en F3, échec. Ouais, ça c'est bon. Ça pourrait être bon. Cavalier F3, échec. Il y a une belle fourchette avec la dame. Il peut pas prendre avec son fou parce que le fou est cloué présentement. Ah, ça je pense que c'est une bonne piste. Ensuite, 3, tu imagines. Regarde si tu peux R, un thème tactique, fourchette, clouage et encore sans calculer. Et enfin, tu calcules. Et Chris qui me dit, tu peux venir sur Discord 2 minutes juste pour te montrer la méthode pour ce diagramme. Pas tout de suite, j'ai pas encore de compte Discord. Il y en a un pour échec mental, mais moi, je vais me créer un compte Discord bientôt, puis je vais aller rejoindre votre discussion.
Et ah, échec mental qui dit la fourchette, c'est ce qu'elle disait depuis le début, là, Léa, je crois. Je vois, je vois, je vois. Ok, ouais, il y avait comme deux fourchettes possibles, effectivement. J'avoue que j'avais pas vu celle en F3. D'après moi, ça serait gagnant parce que le fou est cloué. Alors, il ne pourra pas se défendre avec son fou. Donc, selon moi, la solution à ce problème, c'est cavalier en F3. Et là, voilà, on peut prendre la dame. Et on peut prendre la dame avec notre dame. Et là, à ce moment-là, non, 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 non. J'allais dire à ce moment-là, il y a échec et mat, mais non, c'est pas le cas parce qu'il y a son cavalier, bien sûr, qui pourrait prendre notre dame. Alors, c'est pas ça. On va prendre plutôt avec le cavalier. Good. Bon, mais c'était bien ça. C'était bien. C'était un bon petit échauffement. Toujours pas de nouvelles de Saphir Rose. My God, j'espère qu'elle va se présenter. Moi, j'étais prompt, là. J'avais envie de l'affronter aujourd'hui. Mais bon, si jamais c'est pas aujourd'hui, ça pourrait toujours être jeudi soir, bien sûr. Petite revanche que Saphir Rose veut prendre contre moi. Good, good, good. Donc, bon, assez de résolution de problème. Je vais me lancer. On va jouer un petit peu, quelques parties. Des parties rapides. Donc, on va y aller avec un 15 minutes, là. Je vais me donner du temps. Parce que quand même, quand on joue et qu'on stream en même temps, ça nécessite quand même toujours un petit peu plus de temps que quand je joue tout seul. Récemment, j'ai joué plutôt des parties rapides de 10 minutes sans incrément, mais je me connais. En streamant, je vais parler beaucoup, puis au final, je vais perdre autant si je fais pas attention. Donc 15 minutes plus 10 d'incrément. Je vais recadrer. J'avais mis la petite fenêtre ici où on peut voir finalement le temps des parties, mais là je me rends compte que on voit pas très bien. Alors je vais recadrer ça un peu. Voilà. Et là faut que je joue, sinon on va perdre. Bon, voilà. D4. Un peu à la va-vite, mais bon. Tiens, ça a de l'allure. Ok, donc ok, j'ai fait D4, il a fait D5. Tiens, on va faire la petite ouverture là que Léa affectionne beaucoup ces temps-ci. Seb qui dit nice de mettre le temps séparé. Ben oui, je trouvais que visuellement ça c'était plus harmonieux à l'écran, donc j'ai décidé de faire ça comme ça. Ok, donc il a pris mon pion. J'ai jamais vraiment pris la peine d'étudier la théorie ici là sur comment répondre à ça. Donc je vais y aller with the flow avec. On va aller bloquer son pion avec le cavalier. Ce qui me permet quand même de bon développer une pièce mineure. Ensuite, il faut que je sorte idéalement aussi mes deux fous et mon autre cavalier le plus vite possible. Bon, il fait F7 dans le but de. Ça, c'est un coup qui me confond totalement. J'avoue que j'ai aucune idée pourquoi mon adversaire en ce moment fait ça. Probablement que c'est simplement pour éventuellement sortir son fou qui est sur les cases blanches et s'offrir une porte de sortie là, si jamais je le pourchasse. J'imagine que c'est ça. Donc nous, on va pousser notre pion pour libérer les diagonales des fous. C'était un plaisir de te compter parmi nous aujourd'hui, Blitz. Chris Blitz. Puis, faudrait qu'on s'organise quelque chose bientôt ensemble. Ça serait très, très nice de streamer avec toi. Bon. Mon adversaire, Lo Weinstein 444, qui vient de faire E5. Ok. À ça de bord. Ouais, j'avais l'intention de sortir mon fou, mais là, évidemment, c'est plus trop possible.
J'imagine que son intention, c'est de prendre D4. Et ça, je veux pas qu'il fasse ça. J'ai pas envie d'avoir deux pions comme ça, un à côté de l'autre, dans une de mes rangées. Alors, je vais sortir mon cavalier pour protéger D4, si jamais il prend cette, s'il prend mon pion à D4. Puis bon, il y a son... Faudrait pas que je tarde trop non plus à capturer son pion en C4 avec mon fou, très certainement. On va faire ça tout de suite. Ah ouais, mais là, il vient... Il veut vraiment prendre D4, là. C'est ça, le problème, là. OK. On va sortir notre fou ici. Curieux. Là, c'est le temps de capturer le pion en C4. Voilà. Pion capturé. Je suis surpris aussi de son dernier coup là. A6, je me l'explique pas très bien, en fait. Je me demande. Ok. Bon, je peux prendre son fou au risque de. Au risque qu'on échange les dames. Mais à mon avis, ça vaut la peine. Et d'autant plus que je vais quand même pouvoir faire le petit roque. Puisque si il prend ma dame, je vais prendre la sienne avec ma tour et non avec le roi. Alors, je serai pas déroqué. Son... Je sais pas s'il va essayer de faire ça justement à ce moment-là. Ouais, c'est ce qu'il fait. Donc, voilà. Et ensuite, je vais roquer. Je trouve que je vais être quand même dans une... C'est peut-être pas ma meilleure ouverture, hein. Je sais que j'ai beaucoup d'études à faire et de pratiques à faire dans mes ouvertures. Mais so far, so good. Je trouve que c'est pas si mal, là, honnêtement. J'ai quand même bien positionné mes pièces mineures. Et là, je m'apprête à faire le petit roque. Mon roi va être sécurisé. Et il n'y a rien de trop menaçant en ce moment sur l'échiquier pour moi. Ok. Ça va. Son fou en G4. Bon. Je vais. De toute façon, je vais bouger mes tours, là. Ma tour qui est en D2. En ce moment, mon cavalier en F3 est un peu cloué, si on veut, parce que je voudrais évidemment ne pas perdre ma tour. Ah, tu vois, il a pris. Correct. Il est en petit désavantage matériel en ce moment, si je me trompe pas. Ben oui, j'ai encore mes deux fous, et lui non. Donc j'ai une pièce de plus que lui en ce moment. Donc c'est avantageux pour moi d'échanger au maximum. Donc je vais prendre sa tour. J'ai envie de prendre son cavalier tout de suite, justement, avec mon fou. À ce moment-là, lui, il va lui rester un cavalier, une tour, contre deux... non, un fou, un cavalier, une tour. Ouais, ça vaut la peine, on va faire ça. Je prends son cavalier. Ensuite, bon, logiquement, il faut que je développe ma tour. Pas vraiment d'autre option pour moi de développer que d'aller en D. En plus, je le mets échec. Il va sûrement aller en C. J'ai l'impression qu'il serait un peu plus à l'abri s'il allait se cacher en C. Non,
il est allé en E. Ce qui est pas mauvais dans le sens, il est un petit peu plus ouvert, là, son roi en ce moment, mais au moins ça lui donne des portes de sortie là, si jamais j'arrive à le mettre échec. Ok, là c'est le temps de bien jouer avec nos pions. J'ai deux petits pions doublés ici, c'est pas trop bien pour moi. Puis en plus j'ai mon roi qui est un peu vulnérable en ce moment là. Il y a rien en G pour le protéger. Mais en même temps il y a rien de trop alarmant. C'est-à-dire que le temps qu'il arrive à pousser ses pions jusque là, je pense que je vais avoir le temps de me défendre. Donc je vais pas paniquer avec ça tout de suite. Je vais voir quel piège je peux prendre en faisant des petites fourchettes avec le cavalier. Donc par exemple, cavalier D5, ça va au moins me permettre de prendre un pion. Son pion en C7, bien sûr. Puis il y a mon fou aussi là, qu'il va falloir que j'utilise un peu là, dans le moment. Ouais, dans le moment, je peux pas faire grand chose avec, c'est frustrant. Il va falloir que je recule, certainement. Il va falloir que j'aille peut-être jusqu'en C avec mon fou. Si j'arrivais à. Ah, ok. Ah, ben c'est encore mieux, je prends son pion, je le mets encore échec, donc ça minimise. Ses développements. Donc ça, c'est bon pour moi. Et il peut pas aller en D, évidemment. Donc, il n'y a pas de risque de ce côté-là. C'est pas de l'alcool hein, dans la bouteille. Peut-être un jour on fera un tournoi échec mental avec un marathon de bière, mais cette fois-ci c'est du thé vert et non de l'alcool. Ok, il a bougé. Qu'est-ce qui s'offre à moi maintenant ici là? Ouais, ça serait bien si je pouvais me servir un peu de mon fou, là, qui en ce moment sert pas à grand chose. Juste voir si j'ai des coups candidats actuellement qui seraient plus intéressants. Mais je ne pense pas. Bon, évidemment, il y a le pion en A6 que je pourrais prendre avec mon cavalier, mais ce serait stupide. Je perdrais mon cavalier au détriment d'un pion, ça vaut pas la peine. J'ai ensuite peut-être ma tour en D6, ce serait bien quand même. Il n'y a rien de direct que je pourrais prendre, mais ça le gênerait quand même beaucoup. Et vu la présence de mon pion en C5, ben, ma tour, elle serait bien, elle serait sécurisée. Mais cette diagonale-là me serait peut-être plus utile pour mon fou. On va voir. Pour l'instant, je pense que je vais faire ça ici. Tour en D6, juste pour le gêner un peu, là, l'empêcher de bouger. Quoique je dis ça, puis je me rends compte après coup, toujours, bien sûr, que c'est plus ou moins un bon coup, parce que... En même temps, s'il fait ça, on échange. J'allais dire, s'il va placer sa tour en D8, là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fonce dessus, je prends sa tour, je perds ma tour. Ensuite, son roi est en bonne position pour prendre mon cavalier. Faut que je bouge mon cavalier. Mais il lui reste juste... un cavalier et moi j'aurais un fou et un cavalier. J'ai envie de garder ma tour parce que sinon j'ai l'impression que ça va être difficile de le mater sans tour, donc j'ai pas envie de perdre ma tour. Mais bon, s'il le faut, il le faut. Bon, on va pousser le pion ici, là. Des pions doublés, ça, c'est jamais une bonne idée, ça sert à rien. Donc on va pousser ça. Puis ça, en même temps, ça va me permettre un petit peu de jouer davantage avec mon fou, là. Qui me sert à rien dans le moment.
Ouais, peut-être qu'il va pas prendre le pion. J'espérais bien sûr en faisant ça, en poussant mon pion en F4 qu'il le prenne. Mais ça, c'est. Ouais, ok. C'est vrai que sa tour est protégée par son cavalier. J'ai dit tantôt que je voulais pas perdre ma tour. Est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que je veux vraiment pas perdre ma tour? Allons-y. De toute façon, j'ai quand même pas mal de pions qui sont plutôt bien positionnés. Donc, je pense que je vais avoir l'occasion d'aller chercher une promotion. Je vais défendre mon pion, justement. Je voudrais pas que. Ouais, il y aurait eu peut-être possibilité pour lui de prendre mon pion en C5, pas directement, là, mais en développant un peu, par exemple avec son cavalier en allant le mettre en E6. Donc, pour être sûr que ça se passe pas tout de suite. Quoique le pion était déjà protégé par mon fou. Donc, mais je veux pas le perdre, justement. Je veux espérer aller chercher une promotion avec ça ici. Donc, c'est évidemment la même idée que mon adversaire a en tête dans le moment. Ok. Tant mieux. En allant placer en C6 comme ça, oui, il y avait la menace sur B4, mais de toute façon, c'est le pion que je m'apprêtais à avancer. Donc, pour l'instant, ça va pour moi. Ça pourrait toujours aller mal, hein. Des fois, comme je le disais tantôt, je fais des gaffes, donc. Suffit d'un petit moment d'inattention pour que tout se revire contre moi. Fait, rien n'est gagné. Hein. Rien n'est gagné d'avance. Bon, là, faut qu'il bouge son cavalier. Peut-être en B8, ce serait pas mal pour lui. Dans le but juste de bloquer la progression de mes pions. Ou bien. Bon, évidemment, s'il va en D. Il serait protégé par son pion, mais je pourrais toujours tout risquer et le prendre avec mon fou, puisque justement j'aime bien l'avancée de mes pions en ce moment. Donc je serais prêt à perdre le fou aussi. Il me resterait juste un cavalier, mais ce serait pas si mal. Là, je sais pas pourquoi il a fait ça. Il y avait différentes manières de sauver son cavalier, même en allant en B4 par exemple. Mais bon, Ah ouais, j'avoue. Ok, j'avoue qu'il bloque, il bloque mon pion quand même, donc c'est pas totalement un mauvais coup. Bon, on va tricoter un peu avec le cavalier, mais j'ai l'intention d'aller le placer en B4 pour ensuite prendre le pion en C6 et pouvoir enfin faire progresser mon pion jusqu'à la promotion. Faut quand même que je reste, ouais, c'est ça. Son roi peut toujours changer la donne. Bon. Ah, il va se battre jusqu'à la fin, hein, mon adversaire. On aime ça, on aime ça. J'aime ça des adversaires qui sont tenaces. En même temps, s'ils jouent bien, mais quoique là, il faudrait vraiment qu'ils jouent super bien ou que je joue vraiment mal, ce qui est toujours possible, il pourrait toujours l'emporter, là, s'il fait les bons coups au bon moment et qu'il arrive à aller chercher une promotion, ça peut aller mal pour moi. Mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va, notamment parce que là, il peut pas vraiment défendre les deux pions. Ces deux pions qui sont présentement en E5 et en C6, il peut pas les protéger avec son roi parce que
D6 et est occupé, oh, pas occupé, mais est attaqué par mon pion en C5. Alors, ça va. Léa qui écrit « Il ne faut jamais abandonner ». Ouais, je sais, mais en même temps, c'est vrai et c'est pas vrai. Je trouve que le principe, c'est, je pense que c'est Deadlock qui nous avait dit ça, c'est tu joues en fait jusqu'à temps que tu sais quoi répondre à ton adversaire, et quand vraiment tu ne sais plus quoi répondre, bah c'est signe que t'as perdu, tu devrais abandonner, mais chacun ses propres principes. Bon. Est-ce que je peux essayer de le mater simplement avec mon fou et mon cavalier? Certainement. Est-ce que je suis capable de faire ça? Peut-être pas encore. Donc je vais essayer d'aller chercher quand même une petite promotion. Mais c'est vrai qu'il est tenace. Moi, à sa place, à ce moment-là, j'aurais probablement abandonné. Mais comme je disais, chacun ses principes. Et si lui, il a envie de jouer, ben tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Comment je peux protéger mon cavalier avec mon fou? Je peux même pas. Hein? Donc, je suis obligé de bouger. Ça, c'est... Ça m'énerve un peu, mais bon. Fou D4 serait probablement un bon coup pour moi. Ça me permettrait de protéger ces deux petits pions-là. Ensuite, d'attaquer le roi avec le cavalier ou avec mon pion. Logiquement, plus avec le cavalier. Ok. Bon, là, c'est sûr que je pars un pion. Non, pas nécessairement. Ensuite, il faudrait probablement que je fasse F5, puisque si je fais E6, il peut prendre avec le roi. Donc, je vais faire F5. Ce à quoi il va probablement faire E6, pas nécessairement, mais ça se pourrait. C'est pas trop inquiétant pour moi, puisque j'ai la petite chaîne de pions E5, F6, donc ça va. Ok. Ah oui. Je voulais faire F5, ce que là c'est impossible pour moi, mais je peux faire ça, c'est tant mieux. Et là, il pourra... Ah, il va certainement faire F5. Ouais. Ouais, il va certainement faire F5. Et là, il va falloir que je perde mon pion ou mon cavalier. Peut-être à ce point-là, je peux lui laisser prendre mon cavalier. Est-ce que ça va me donner le temps d'aller chercher la promotion, par contre? Si lui fait F5, je fais... Ah, ok. Bon. J'imagine qu'il veut que la partie se termine le plus vite possible, c'est possible. Ouais, peut-être qu'il est tanné là, puis il veut juste que ça arrête. Et c'est fini. Good. Bah, c'est une bonne petite partie. Bon petit réchauffement. Là, je suis prêt pour une autre. On va le féliciter quand même, notre adversaire. Mon adversaire, là, il a bien joué. Il a été tenace jusqu'à la fin, surtout.
Je suis content parce que je pense que pour une fois, mon ouverture était pas trop mauvaise. C'est-à-dire que souvent, c'est pas ma force, l'ouverture. Je suis quand même de. Je suis assez bon en tactique. Je suis pas excellent, là. Il y a des trucs que je vois pas et des trucs comme Chris disait en début de stream que je calcule trop vite, je vais trop vite, je prends pas vraiment le temps. Donc, je dis pas que je suis un expert de la tactique, loin de là. Mais si j'avais à reconnaître mes forces, mes faiblesses, mais je dirais que la tactique fait un peu plus partie de mes forces et tout ce qui est stratégie d'ouverture, de milieu de partie, ces choses-là, c'est pas mon cas, pas encore, là. J'ai encore du travail à faire. J'ai beaucoup d'aide cependant, là. Vous me donnez plein de conseils. Deadlocks hier encore une fois qui m'écrivait sur les chess pour me rappeler finalement là, les principes quand même importants durant les ouvertures. Donc tu sors un pion ou deux, ensuite tes pièces mineures, t'essaies de relier tes tours, t'essaies de positionner tes tours évidemment sur des colonnes qui sont ouvertes, qui vont pas être bloquées par des pions de l'adversaire, des choses comme ça. Donc ça, j'essaie de vraiment mettre ça en application là, et je vois effectivement quand même pas mal de progrès. Mon réflexe à moi au début, ça a été ok, il faut vraiment que j'apprenne la théorie, c'est que c'est ça qui va me permettre d'avancer, c'est ça qui va me permettre de progresser, c'est-à-dire vraiment là, apprendre les successions de coups par cœur, la théorie, les différentes ouvertures, la défense scandinave, la Caro-Kann, l'ouverture italienne, espagnole, toutes ces choses-là. Puis c'est vrai, mais c'est vrai que c'est pas vrai. On me rappelait, garde, à ton niveau, essaie juste de contrôler les principes de base, puis ça va déjà être beaucoup. Puis c'est vrai, c'est vrai. On va regarder un peu quand même la partie. J'ai envie de aller voir qu'est-ce que Lee Chess a à dire sur cette partie-là comme analyse. Donc c'est ça, l'ouverture, je disais que pour une fois je l'avais plutôt réussi. Donc j'avais fait D4, il avait fait D5. Là voilà, il a pris ici. Ça, je disais comme en début de stream que je savais jamais trop quoi répondre à ça exactement. Qu'est-ce que j'ai répondu? Ouais, j'ai bloqué avec le cavalier. Je trouvais que c'était pas mauvais pour moi d'empêcher la progression de ce petit pion-là. Et ça me permet justement de développer une pièce, de développer mon cavalier. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Donc là, j'ai pu sortir mes deux cavaliers, un fou. Ouais, il faut dire que c'est ça. Comme ce coup-là, A6, s'il avait joué B5, mais j'aurais pas pu justement faire ça. Donc là, j'aurais eu ce petit pion-là qui m'aurait gêné, qui m'aurait empêché justement de sortir mon fou. J'aurais même pas pu défendre E4 au besoin. Donc. J'ai été chanceux un peu là. Ici aussi, je trouve que ça a été bon pour moi. Parce que souvent, je trouve que l'avantage de procéder à l'échange des dames comme ça aussi rapidement en début de partie, c'est de déroquer l'adversaire. Donc de l'empêcher de pouvoir réaliser soit le grand ou le petit roque. Ce qui est parfois le cas, mais là, ce n'était pas pour moi puisque j'avais déjà pu libérer toutes mes cases là. Alors, j'ai pu prendre comme ça avec la tour. Ouais, puis là, c'est ça. Là, je savais que j'avais un petit avantage matériel. Alors, je savais que j'avais tout intérêt à échanger là, le plus possible. Voilà. Puis là, c'est là qu'on a commencé à jouer pour vrai. Là. C'est là qu'on est rentré dans le jeu. Je trouve que c'est cette phase-là. Je sais pas si c'est le milieu de partie. On est peut-être déjà en finale. Non, je sais pas. Mais c'est cette phase-là de la partie que j'aime beaucoup. Dans le sens où. Ouais, c'est là où on calcule un peu plus, où on essaie de tendre des pièges, des fourchettes, de clouer des pièces, des choses comme ça. Ça, c'est cool. Ça, finalement, je me demande si ça avait été un bon coup. Je me demande s'il n'y avait pas eu un meilleur coup pour moi ici. En faisant D6, mon but, c'était juste de contrôler la rangée 6, finalement, autant que possible. De l'empêcher, lui, de pouvoir. Développer sa tour ou de pouvoir développer, c'est-à-dire se sauver plus loin que ça là, avec son roi. Puis là, oui, après, c'est devenu une petite guéguerre de pions. D'ailleurs, il s'est vraiment bien défendu, je trouve, honnêtement, là. Souvent, c'est loin d'être le cas de tout le monde, là, mais je trouve que souvent les gens osent pas utiliser le roi comme une pièce vraiment. Et ils font juste, ils sécurisent le roi et là le roi sert plus à rien. Mais dans un jeu ouvert comme ça, le roi est
indispensable. Comme moi, j'ai pas du tout utilisé mon roi. Peut-être que j'aurais pu trouver une solution plus rapide et pouvoir gagner plus rapidement si je m'étais servi justement de mon roi, parce qu'il y avait rien. Il n'y avait rien d'extrêmement menaçant là, sur l'échiquier pour moi. Alors, une pièce de plus pour contrôler les pièces de l'adversaire, ça aurait été probablement gagnant pour moi. Mais là, j'avais quand même un cavalier, un fou. Ça allait. Puis oui, là, on se dirige vers la fin de partie. Voilà. Good. Ben, c'est une bonne partie. Je suis content de ça. C'est un bon petit réchauffement contre mon rematch contre Saphirose, si jamais elle vient. Deadlock qui écrit « J'aime bien ce coup, moi. » C'était lequel? Est-ce que tu te souviens de quel coup c'était? Excuse-moi, là, je suis allé un peu trop vite dans le défilement des coups. Mais on peut y retourner si tu as envie d'en parler. Tour D6, ouais. Ouais, ben je... En fait, je me souviens plus. Je pense que c'est dans un vidéo d'un gars que moi et Léa, on aime beaucoup, qui s'appelle Joachim Mohamed. Il parlait de... il nommait un GM quelconque, un grand joueur d'échecs, qui avait pour principe de, si on peut aller placer la tour, soit dans la rangée 7 ou là, dans ce cas-là, c'était la 6... on le fait. On le fait parce que avoir une pièce lourde comme ça, positionnée aussi loin derrière la ligne ennemie, si on veut, c'est gagnant habituellement. Il y a sûrement des exceptions, là, faut faire attention, faut pas tout le temps le faire. Mais là, je trouvais que c'était bon pour moi ici là, d'avoir ma tour, surtout sur le centre comme ça de l'échiquier. Je trouvais que j'étais confiant avec ma tour ici. Même si finalement, on a échangé les tours pas longtemps après ça, mais bon, au moins ça m'aura permis de faire ça. Puis là, il se retrouvait juste avec un cavalier. C'est pas une position dans laquelle moi, je suis très à l'aise. Là. Quand je joue des parties, puis il me reste juste quelques pions et un cavalier, habituellement, ça se passe mal pour moi. Deadlock, tu me dis, je sais pas si on... Ouais, peut-être qu'il a échangé les tours... Qu'est-ce que j'aurais pu faire sinon? Parce que, ouais, ma tour était quand même protégée. Alors, j'étais pas vraiment dans l'obligation d'échanger. Je pense que je me suis juste dit ce que je viens de verbaliser, là, c'est-à-dire, si je prends sa tour, il va me rester un fou, un cavalier, et lui seulement un cavalier. C'est une situation dans laquelle je vais être confortable, dans laquelle je vais être confortable. Donc, c'est simplement ça, pour vrai, là. Mais... Sinon, je vais regarder un peu, là. Je vais voir. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? J'aurais pu simplement laisser ça comme ça. Développer des pions. Par exemple, B4. Ou pourquoi pas prendre son pion en E. Donc, prendre E5. Ça l'aurait forcé à prendre lui-même. Son roi aurait été encore plus vulnérable. J'aurais pu sortir mon fou, menacer sa dame. Ouais, probablement que ça aurait été mieux. Si je prenais comme ça, et que lui, il prend ici. Ensuite, moi, je peux venir menacer là. Et là, il est peut-être forcé d'échanger. Mais je suis super bien positionné pour aller chercher une promotion. Et en plus, il y a la diagonale du fou ici et la position de mon cavalier qui contrôle E8 et qui contrôle E6 qui empêche son roi d'aller chercher, d'aller attaquer mon pion. Faut juste que je déloge son cavalier. Probablement avec... Ah là, c'est au noir de jouer. Mais donc les noirs, à ça, qu'est-ce qu'ils peuvent répondre? En fait, les noirs n'ont pas intérêt à bouger leur cavalier. Parce qu'en ce moment, le cavalier contrôle D8. Et s'il veut m'empêcher d'aller chercher une promotion, il a intérêt à faire ça. Là. Il faut pas qu'il... Peut-être qu'il aurait attaqué mon fou ici... Auquel cas, je me recule. Il attaque encore. J'avoue que je suis un peu mal pris. Je me sauve. Ensuite... Je sais pas. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Puis oui, peut-être next time, ne pas échanger les tours. Mais bon, au final, ça m'aura servi quand même. On va jouer une autre partie. Un autre 15 minutes, une autre petite partie rapide.
Yes, c'est ça, Deadlocks qui dit que oui, en effet, le roi ne pouvait pas venir à la rescousse vu la position de mon cavalier. Ben oui, ça, j'étais. Effectivement. Gardez ça en tête. Prochaine fois, si jamais je me retrouve sur un pattern similaire là, dans une autre partie, échanger les tours à ce moment-là, c'est pas une obligation. Il y a d'autres options qui s'offraient à moi. Alors, encore une fois, c'est moi les blancs. Quand même, je suis chanceux. On va y aller avec. On va essayer de faire l'écossaise, tiens. Ouverture écossaise. Qui est ça ici, si je ne m'abuse. Puis finalement, c'était peut-être pas le best. Peut-être j'aurais dû jouer autre chose vu qu'il a joué D5. Mais pour l'instant, c'est quand même cool. J'aime où mon cavalier est situé en ce moment. Surtout si. Ah, c'est peut-être un peu trop agressif comme coup. Mais je me demande si je fais Dame H5, s'il tombe dans le panneau ou non. Sûrement pas. Mais peut-être. On va essayer. Ouais. Mais bon, c'est pas très grave. Ok. Pourquoi pas? On échange les cavaliers. Bye bye les poneys. Ok, on menace mon pion. Non, c'est pas fou. Je me disais peut-être fou F4 pour venir protéger mon pion, mais ensuite lui il a simplement à pousser G5 et là je peux rien faire, c'est-à-dire ben, je peux reculer, mais je risque de rester coincé. Donc on va plutôt faire, même si je sais qu'il faudrait que je développe un peu là, on va plutôt faire F4 avec notre pion. D'accord. Ouais, je m'enlignais pour faire le petit roque, mais là c'est vrai que je suis pas tant protégé là, dans le sens que, mais non, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même puisque j'allais dire si lui arrive à positionner son fou sur la diagonale ici par exemple s'il allait en D4, là je serais un peu vulnérable là, avec mon fou, avec mon roi qui va se retrouver en G1 après le roque. On va l'essayer quand même. Et on va aller là. Ok, il a fait cavalier G7. Il va certainement roquer lui aussi. Et yes, c'est ce qu'il a fait. Bon, pas le choix, on va développer. Bon, il s'en prend, madame. Ok. Bon, j'ai pas énormément d'options là.
si je peux au prochain tour prendre E4 avec mon cavalier, c'est sûr que je fais ça. Ensuite, cavalier G5, puis dame H7, et c'est bye-bye pour lui. Mais bon, ça dépend vraiment de ce qu'il fait. Ah non, c'est vrai, de toute façon, il y a son fou. Il y a son fou qui va prendre mon cavalier. Alors, non. Ok. Ouais. Le petit roc, c'était peut-être pas la meilleure idée. Bon, je peux me protéger avec une tour. Il va certainement prendre mon fou, ce qui est chiant un peu. Mais ça va. Je peux encore gagner. J'avoue que je joue pas très bien en ce moment, mais j'ai espoir, je peux encore gagner. Bon, si seulement je pouvais faire... Est-ce que j'ai une autre manière de me rendre en G5 avec mon cavalier? Parce que là, si je pouvais passer par E4, ce serait génial, mais là, c'est totalement impossible vu la position de son fou et la position de sa dame. Donc, je serais peut-être mieux d'abandonner ce plan plutôt que... Ouais, on va plutôt essayer de sortir ma tour. Mais pour ça, je dois sortir le fou d'abord. Et là, E3 est occupé. Là, je peux pas aller là. Je vais aller voir ce que Deadlock écrit. Ah, le roi H1. Ouais. Ouais, t'as raison. C'est vrai, ça aurait peut-être été mieux pour moi. Ouais, parce que là, ma tour est toujours clouée. Ce qui est vraiment pas à mon avantage. Ok. Il va falloir que, effectivement, je fasse quelque chose pour... idéalement positionner mon cavalier en G5. Mais j'essaie de voir si je peux le faire autrement qu'en passant par E4. Si je vais en E2 et après je vais en G3, et non, ça serait trop long, ça se pourrait pas. Sinon j'allais dire j'ai D5, mais de toute façon je pars le cavalier automatiquement, c'est tout aussi stupide que d'aller en E4, donc non. Bon, je vais rester sur mon idée là de développer un peu mes tours. Bon, peut-être que j'aurais pas le choix de perdre un fou ici là. Fait que je vais placer ma tour là, même si normalement il aurait été probablement plus... Le meilleur coup aurait été de placer ma tour en D, vu que cette colonne est vraiment largement libérée. Mais là, j'aime pas trop comment je suis contraint en ce moment ici. Là. Alors, mon fou, justement, je m'en fous. Je vais menacer plutôt sa dame. Il va prendre avec son cavalier. Je vais prendre avec une de mes tours. Et là, en principe, ça s'arrête là. Parce que s'il prend avec sa dame, bang, je saute et je prends sa dame. Donc... je pourrais même tout de suite prendre avec une dame. Avec ma dame. Ouais, je vais faire ça. C'est un peu mieux. C'est toujours pas génial là, pour moi, mais c'est un peu mieux que c'était. Qu'est-ce que lui peut faire? Ouais. C'est ce que je pensais. Bon. Ok, il y a un petit avantage sur moi quand même, là. Deux fous, deux tours. Et moi, j'ai deux tours, un cavalier. Ok.
Bon, on n'a pas le choix, là. Il va falloir que je développe. Pas ces pions-là, évidemment. Là. Je vais garder ma petite muraille ici pour défendre mon roi. Peut-être, par contre, me donner une porte de sortie parce qu'il y a quand même le mat du couloir là, qui fait peur. Mon cavalier me protège plutôt du mat du couloir en ce moment parce qu'évidemment, s'il va en D1 avec sa tour, je prends tout de suite avec le cavalier. Mais si je veux me servir de mon cavalier, il faut que je me donne une porte de sortie. Hey, salut bébé! Content de te voir. Il s'est construit une belle petite chaîne de pions ici qui va être un peu difficile à surmonter. On va essayer de l'attaquer plutôt sur l'autre aile de l'échiquier. Et j'aurai pas le choix, là. Va falloir que je sois très inventif avec mes pions pour essayer de faire quelque chose ici. C'est ce que je pensais qu'elle allait faire. Peut-être que j'aurais pas dû bouger le cavalier, mais l'idée d'aller ici, c'était justement de me donner une porte de sortie. Je peux toujours simplement me défendre avec ma tour aussi, là. Avec une de mes tours. Ok, ouais, c'est vrai que j'avais oublié qu'il a l'avantage matériel. Donc, il a vraiment intérêt à échanger dans le moment. Il y a toujours deux fous. Moi, j'ai un cavalier, une tour. Ouais. Oh merde, j'avais pas vu ça. Et là, ça va vraiment mal pour moi, là. Mais il y a de l'espoir. Je vais foncer, je vais aller chercher une petite promotion. Il y a de l'espoir. Si vous entendez des petits glouglous, c'est pas quelqu'un qui boit de l'alcool en background, c'est encore une fois ma très chère chienne Dora qui, tout simplement. Oh. Je pense que je vais potentiellement abandonner cette partie très bientôt. On va voir qu'est-ce qu'il va faire là, mais ouais, c'est ce que je pensais. Alors, malheureusement pour moi, il me reste pas beaucoup d'options. Surtout qu'il reste beaucoup de pions dans le moment, là. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'allais pouvoir prendre sa tour, mais faut tout essayer là. Ouais. Bon. Est-ce que j'ai le temps, moi, de réussir une promotion avant lui? Je penserais pas.
Oh. Bon, on va lui concéder la victoire. Il le mérite amplement. Eluel, bravo. On va faire une nouvelle partie. Deadlocks qui crie, j'ai l'impression que Félix a un peu de masochisme en lui. À tout le moins, il aime souffrir, c'est clair. Hey, écoute, man, si on souffre pas, c'est comme on dit, hein, no pain, no gain. Donc, si on souffre pas un peu, on progresse pas. Non, je dirais pas que je suis masochiste, mais c'est vrai que. Comment je pourrais dire? Je peux être tenace. Des fois, j'aurais tendance à faire preuve d'un peu plus de flexibilité. Puis là, je parle pas de yoga, là. Je parle vraiment de flexibilité mentale. Ok, next move pour moi. Next move pour moi, tiens, on va faire ça ici. Ok. Non, je vais pas prendre son pion tout de suite. Je vais pas prendre son pion tout de suite parce que évidemment, si je prends, il avance, il menace mon cavalier. J'avais pas envie de ça. Ok, c'est le temps de roquer. Bon, là, faut vraiment que je fasse attention avec mon fou parce que j'ai pas énormément de portes de sortie dans le moment. Donc, peut-être que. Là, c'est mieux. Ouais, là, je peux reculer mon fou. Mais je vais pas le reculer trop loin. Je veux quand même continuer à le gêner un peu. Et au besoin, je reculerai davantage. Si j'arrivais à prendre D4, je serais plutôt heureux de ça. Bon, si je prends D4 avec le pion, il prend avec son pion, je reprends avec le cavalier. Ah non, j'ai ma dame. Ok, ça va. Donc oui, ça se peut. Je peux faire cet échange-là. Et après, je peux aller placer mon fou en F5. Et là, c'est plus possible parce que là, il vient de protéger à nouveau D4 avec son autre cavalier. Donc c'est pas grave. On va plutôt s'attaquer à son cavalier ici. C'est quoi ses options? Il peut pas aller là à cause de ma dame. Il peut reculer bien sûr. Donc oui, on va faire ça. C'est bon pour moi. Logiquement, bah du moins si je jouais les blancs en ce moment, j'aurais tendance à vouloir me sauver, probablement en D2. Il va peut-être aller en E5, il peut faire ça, mais bon, s'il fait ça, on échange les cavaliers. Ce serait pas mauvais non plus pour lui. Non, ok. Heureusement, comme je disais tantôt, là, j'avais libéré ça, donc je peux me sauver. Mais est-ce que je graisse sur cette diagonale-là qui me sert à quoi dans le moment? Pas grand-chose. Si je vais ici, mon fou, il me sert à quoi?
Si je vais là, non. Si je vais là, après, il fait H... Non, ouais. H4 avec le cavalier, puis je suis pris. Donc, non. On va plutôt faire ça ici, comme ça. Ouais, c'est une bonne partie. J'étais assez content, honnêtement, de cette partie. Je ne saurais dire dans le moment qui de nous deux va l'emporter, et c'est ça qui est cool, en fait. C'est assez bon pour moi. Le fait qu'il ait reculé son cavalier comme ça en H, c'est cool. Là... Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici, là? Beaucoup de choses. Je devrais développer, en fait. J'aurais juste développé davantage, mais je peux pas développer n'importe comment, là, dans le moment. On va empêcher la progression de son pion, parce que je voudrais pas... Je voudrais pas qu'il menace madame comme ça, stupidement, juste avec un petit pion. Et ça, ben, qui sait, ça va peut-être me permettre de faire quelque chose avec mon fou. Et bon, mon cavalier, j'aurais pas beaucoup d'options, là, à part aller le mettre en E7. Ok, bon, ici. Ici, j'ai pas envie de prendre. Parce que si je prends, là, après... Lui, soit avec son fou, avec son cavalier, il reprend mon pion. Et j'ai l'impression que je serai pas dans une meilleure position. Donc, je vais laisser ça comme ça. S'il prend, tant mieux. Il se retrouve avec des pions doublés. Ou j'ai toujours l'option, moi, de prendre. Donc, ça va. Je vais plutôt développer. Je vais développer le cavalier en E7. Bébé qui dit faudra que tu l'analyses après, je pense qu'elle est pas mal comme partie. Je suis d'accord. Clairement, oui, après on va faire la petite analyse. Là je vais prendre. Par contre, quoique bon, il pourrait toujours avancer, mais. De toute façon, il n'y a rien qui défendrait ça ici, là, pour l'instant. Il pourrait toujours placer sa dame, sa tour plutôt, en G1, mais... ça va. Ok. Voilà, j'ai failli faire une grosse gaffe. J'allais dire je prends avec la dame, mais évidemment que son fou aurait répliqué tout de suite, j'aurais perdu ma dame, mais je m'en... Non. Non, 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 non. Je vais plutôt placer mon fou ici. Ah, là, ça commence à être serré un peu, l'avancée de ses pions, par contre. Là, j'ai peut-être commis une petite erreur, là. Je peux toujours... Ok, c'est pas si mal. Et merde, donc ce que j'aurais dû faire, au lieu de bouger le fou en F7, je crois que c'est... Voilà, c'était Dame... Si j'avais fait Dame H4, ça aurait été vraiment mieux pour moi. Mais bon, je peux encore me sauver, là, ça va. Là, si par contre, ouais, voilà. Et merde. Ouais, ça, c'est très mauvais pour moi. Là, je pense que j'ai perdu ma dame. Là, je pense que c'est foutu pour ma dame. Mais je me demande juste c'est quoi la réplique la plus forte à ça, là. Ouais, il fallait que je joue dame H4 plutôt que d'aller placer mon fou ici, là. Bon, est-ce que je prends son fou ou je laisse prendre mon fou, madame plutôt? Il va se retrouver en F5 avec son fou. Quel coup, moi, ça me permet de faire?
Ouais, pas grand-chose. Il y a toujours la possibilité qu'il joue moins bien que moi. Quoique non, il y a un Elo un peu plus fort que moi. Et il s'appelle Vladimir, donc s'il est vraiment russe, il doit être très bon. Donc, je vais faire attention à ça. Mais, aïe. Ouais, je m'en veux un peu de ne pas avoir joué Dame H4. Mais bon, c'est pas grave. Faut être créatif dans ces moments-là. Si je fonce, par exemple, avec mon cavalier sur D4, je le laisse prendre ma dame. Est-ce que j'ai une fourchette qui s'offre à moi avec le cavalier? Pas vraiment. Ben, je veux dire, il y a C2, mais C2, ça sert pas à grand-chose. Non, je peux rien faire, là. Bah. On va prendre son fou, il va doubler ses pions, ou il va développer sa dame, mais il va... Non, voilà, il va pas faire ça. Ok, là... J'aurais pas intérêt à faire ça tout de suite. Je voulais prendre son pion. Mais là, il y a un petit avantage sur moi, là. Un gros avantage sur moi, là. Donc, je devrais faire attention à tout ça. C'est pas encore mort, c'est pas encore mort. Ça peut... Tout peut changer, on sait jamais. Hey, Titi Dub, content de te voir. Deadlocks qui dit « C'est moi qui aime te voir souffrir. » Donc ça fait non pas de moi un masochiste, mais ça fait plutôt de toi un sadique. C'est ça que ça veut dire, man. Titi Dub qui disait « Tu as Dame G3. » pour sauver ma dame tantôt? Ou G3, non. Ouais, ben peut-être on parlait plutôt G6. Ouais, mais il y avait son pion, non? Qui allait prendre à ce moment-là? Et Bebeu qui dit « Dommage, ouais, ta dame avait encore une case au lieu de prendre. » va falloir vraiment que j'analyse cette partie, puis j'avais pas vu, ce qui est vraiment stupide si c'est le cas. Ok. On va aller checker ça. On va aller analyser cette partie. Là, ça va être le temps de développer les tours, je pense. C'est quand même pas si mal. Je sais que, bon, j'ai perdu ma dame, là, mais je trouve que, vu le pattern de mes pièces en ce moment, vu où elles sont positionnées, je pense que je peux encore faire quelque chose. Faut juste pas que j'échange stupidement, comme par exemple en prenant son cavalier. Par contre, je peux prendre son pion en D4. D'après moi, c'est un meilleur coup. Et après, j'aurais peut-être une petite fourchette qui s'offre à moi, là. C'est-à-dire en allant par la suite en F3. C'est sûr qu'il y a son cavalier, mais il y a mon pion. Je sais pas, on va voir. On va voir ce qu'il va jouer. Si jamais aussi, si jamais il développe la dame, j'ai la fourchette en C2 qui est possible. Et j'ai quoi d'autre? J'ai... à peu près ça. Ok. Bon. S'il s'en prend mon cavalier, j'ai toujours mon fou pour reprendre.
Mais dans le moment, j'ai pas trop envie d'échanger dans le moment. J'ai pas non plus. Je peux pas défendre le cavalier, donc faudrait que je le bouge, mais je le bouge où? Ah ouais. Embêtant cette partie. Je pourrais toujours aller en F3. Je le mets échec. Il va probablement prendre avec la dame ou avec le cavalier. Donc ça sert un peu à rien. On va pas faire ça. Je pense que je vais plutôt développer mon autre cavalier. Le laisser prendre mon cavalier qui est en D4. Et je vais reprendre avec le fou, tout simplement. Ouais. C'est ça qu'il a fait, donc. Ah non, c'est con, il y a sa dame, mais oui. Ouais, ok. Il me reste encore 2 tours, là. Je peux... Si je joue correctement, je peux gagner. Bon, avec le cavalier ici, est-ce que j'ai des belles options qui s'offrent à moi? Bon, là, il rock. Ah, mais il y a quelque chose de beau là pour moi ici. Là. J'ai une belle petite fourchette ici. Là. Bon, au moins. Au moins. C'est vrai, c'était pas perdu, c'était pas perdu. Je me suis laissé un peu démoraliser, mais c'est pas perdu encore. Je vais perdre mon cavalier, bien sûr, là, mais pour prendre sa dame, je pense qu'on est tous d'accord, là, ça vaut la peine. Là, il y a un petit échec à la découverte ici que je peux faire. Ce qui va me donner le temps, peut-être même... ce qui va me donner le temps. Ce qui va me rapprocher plutôt d'une promotion. Ce qui serait pas mal. Et... Si je fais les bons coups au bon moment, il y a peut-être le mat du couloir qui serait possible pour moi. Là. Évidemment, il faut que je fasse attention à cette tour-là. Ouais. Je pouvais pas aller en G4 avec mon fou à cause de son cavalier, bien sûr. Ce qui aurait été bon pour moi pour simplement sécuriser mon pion en vue d'aller chercher la promotion. Donc je l'ai mis en C comme ça, juste pour contraindre encore plus un peu son roi, là, pour l'empêcher de sauver pour l'instant. Je sais pas si je vais arriver. Là, ça serait bon pour moi d'aller placer ma tour dans la deuxième rangée, justement. Celle qui est en F en ce moment. Là. Si je vais la placer en F2, ça serait bon. Et après, mon autre tour... Ah ouais. Pas tout de suite dans ce cas-là, j'allais dire. Et après, mon autre tour, aller la mettre en E8 pour protéger le pion. Et on va faire ça dans le désordre, plutôt. Ou dans le bon ordre, je sais pas trop. D'accord.
Ok. Ah, c'est bon là. Là, c'est un vrai problème là. Là, il faut carburer là. Ok. J'ai deux. Ça pourrait être bon, mais il y a peut-être un meilleur coup candidat quelque part. Peut-être. Non, 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 non. J'allais dire peut-être fou E4, mais c'est pas bon parce que là, ça lui permet de prendre mon pion. Par contre, moi, je peux prendre sa tour. S'il tombe dans ce piège-là, ça serait plutôt cool pour moi. Mais après, il pourrait prendre mon autre tour aussi. Donc, non. Je pense pas que ce soit un très bon coup. Attends, je vais juste recalculer ça pour être sûr. Mais si je fais fou E4, lui, logiquement, il prend le pion avec sa tour plutôt qu'avec son cavalier, simplement parce que ça lui permet de menacer mon fou. Et là, si je prends sa tour, je perds ma deuxième tour. Donc, non, j'ai pas trop envie de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de créatif et de bon pour moi en ce moment? Peut-être tour D2. Parce qu'à ce moment-là, je menace cette tour-là. Il va peut-être aller en E5, par contre, puisqu'il serait protégé par le cavalier. Et là, moi, je suis pas avancé. Mais si je fais tour D2, et que là, lui, il sauve ici en E, je le mets échec, il prend ma tour, je prends sa tour. Il me reste une tour contre deux cavaliers, une tour. Non. Non, 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 non. Mais c'est peut-être un coup que je devrais songer à réaliser par la suite, par contre. Mais faut que je déloge le cavalier avant. Simplement pour. Alors, si je joue tour G2. Je menace son cavalier. Où est-ce qu'il se sauve? Probablement en F6. Il se retrouve à menacer ma tour. Ah, ce qui serait peut-être meilleur, par contre, pour moi, dans le moment, c'est de jouer tour D8. Parce que je menace cette tour-là. Je vais pouvoir le mater directement une fois qu'il va avoir dégagé sa tour. Il va prendre. Je vais prendre à nouveau. Et là, il y a peut-être un petit mat du couloir qui est possible de réaliser. Ok, on va essayer ça. C'est du gambling, là, mais on va essayer ça. Tour des deux. Qu'est-ce qu'il fait à ça? Ah, il va sûrement doubler ses tours. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non. C'est peut-être pas le mieux pour moi. Mais s'il double les tours, je bloque ça en jouant tour F2. Non, excusez-moi, tour D2. Ouais, ok. C'est pas ce que je pensais qu'il allait se passer, mais c'est pas plus mauvais pour moi. Il menace mon fou. Je me demande s'il va essayer de. Si jamais il joue tour F1, ce serait génial. Je pense pas, là. Je pense que mon adversaire est meilleur que moi, donc je pense pas qu'il va faire ça. Mais si jamais il joue tour F1, évidemment, je prends avec mon fou. C'est pas ça qu'il a fait. Ah non, maintenant je suis cloué. Eh merde, c'est vrai. Oh. On va jouer ça. Je vais être échec. Il va falloir que je me sauve. Mais il y a peut-être encore un mat du couloir qui est possible pour moi si je joue correctement. Ah non, à cause de son cavalier, je peux pas directement faire le mat du couloir. Ok. Là, c'est le tout pour le tout, là. Là, il faut vraiment que je profite de la moindre petite gaffe que mon adversaire peut faire.
En même temps, il peut pas bouger le cavalier qui est en E3 parce que s'il fait ça, je fonce sur sa tour. Et s'il bouge la tour, je fonce sur son cavalier. Donc, il va probablement jouer cavalier C4. Non, ok. Allez, fini le mat du couloir, il va pouvoir se sauver. Ok. Pas simple cette partie-là. Ouais, j'ai fait un petit blunder, effectivement. Ouais, analyse de partie, effectivement, ça va être formateur. Très formateur. Ouais. Ouais. Mais c'est ce que j'aime justement de cette partie-là. Je trouve que mon adversaire est meilleur que moi, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on arrive à jouer puis à se comprendre un peu quand même. Puis, ben, vu qu'il est meilleur que moi, ben, c'est assez formateur. C'est-à-dire que je pense pas que je vais gagner cette partie. Mais au final, on aura passé à travers plein de situations, plein de patterns hyper intéressants à analyser. Donc, non, je suis vraiment content. Ça fait, je pense que c'est ma meilleure partie de la journée, dans le sens même si je la perds, c'est celle clairement durant laquelle j'aurais eu le plus de plaisir à jouer. Ah ouais, ça c'est sûr que ça peut faire mal, là. S'il arrivait à prendre B7 avec le pion, je peux rien faire vu son cavalier en A5, donc il faut que je fasse attention. Ok. En marche vers la promotion. Ouais. C'est pas génial. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Il est un peu pris quand même en même temps, lui, parce que comme je disais tantôt, s'il bouge. Ah, ben là, c'est bon. Là, il peut bouger sa tour, puisque voilà, Ok, c'est bizarre, ça. Bon, ben peut-être que le vent a un peu tourné. C'est pas gagné d'avance pour moi, là, mais. Même pas si mal. J'allais dire, c'est bizarre parce que c'est sa tour qu'il aurait dû bouger, puisque là, maintenant, ses deux cavaliers se protégeaient. Ah, il a abandonné, je pense. Ah, j'ai gagné. Il a abandonné. Ah non, j'ai gagné cette partie. J'étais sûr que j'allais perdre cette partie. Puis honnêtement, je pense que c'est plus une nulle, là, mais il veut jouer une revanche. Ok, on accepte. On accepte la revanche. C'est moi les blancs encore. Chanceux. Alors, mais là, je sais à quel bois je me chauffe. Il faut vraiment que je joue intelligemment. Je m'attendais tellement pas à gagner cette partie-là. Moi, j'étais comme, c'est perdu, c'est sûr. Mais c'est ça, il a fait une petite gaffe, il a fait une petite erreur, puis fallait foncer dessus. Ben là, il faut qu'il joue, là. C'est lui qui a demandé la revanche, puis il joue pas. Ah non, il veut plus. Ah. Bye bye, Vladimir. Mais vous savez quoi? Je pense que je vais aller le suivre sur l'e-chess.
Parce que je trouvais ça cool de jouer avec Vlad, mon cher ami Vlad, qui a un suiveur, c'est moi. Je suis le seul suiveur pour Vlad. Mais non, pour vrai, je trouvais qu'il jouait quand même vraiment bien. Puis je trouvais qu'on était justement d'un niveau similaire, même si, comme je disais, il se débrouillait un peu mieux que moi. Peut-être pas, c'est juste l'erreur de la dame. Là. On va aller analyser cette partie d'ailleurs. On va aller retourner voir cette partie-là. Où est-ce qu'on va pour... si vous pouvez m'aider dans le chat, là. C'est con à dire, mais quand j'analyse ou quand je joue, généralement, je joue toujours sur mon cell. Là, je suis comme sur le site même de l'eChess. Je sais pas par où passer pour aller analyser les parties. C'est stupide. Félix échec mental. Profil, en principe. 370 parties. Ok, ouais. C'est bon, on l'a. Elle est ici. Demander une analyse rapide. Ouais, demander une analyse automatique. All right. OK. Donc, on va retourner à l'ouverture. Moi, je jouais qui déjà? Je jouais les noirs, right? OK. Donc, l'ouverture. Ouais, l'ouverture, je disais que j'étais quand même assez content, je pense. J'ai sorti mon fou, j'ai sorti mon cavalier. Ensuite, là, normalement, j'aurais dû prendre le cavalier qu'ils me disent ici. Si je... Ben... Ouais? Je sais pas, je trouvais que c'était cool de garder mon fou ici. Simplement pour clouer le cavalier, là, vu que sinon je prenais sa dame. Mais bon. Bah ça ici, apparemment, Stockfish, je trouve que c'est un drôle de coup, mais je trouvais que ça me permettait justement de réaliser le grand rock rapidement. Donc, perso, bon, finalement, j'ai perdu ma dame, là, donc c'était peut-être pas le meilleur des coups. Mais c'est là que je veux voir, là, c'est ça, c'est le coup le plus intéressant, là, c'est... Bebe qui dit que mon adversaire a eu trop peur de moi. Okay. Je pense pas, mais... Ouais. Et tu dis, je pense que le but de prendre le cavalier, c'est pour pouvoir pousser E5. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Oui, si on fait ça, effectivement, on prend le cavalier. Les blancs répondent en prenant avec le fou. Et là, on pousse E5. Puis là, ouais, c'est vrai que c'est quand même... je vais garder ça en tête. Je vais garder ça en tête. C'est quand même bon pour vrai. Alors là, j'ai reculé mon fou. Là, ça, justement, c'était bien. Ouais, là, pourquoi j'ai pas pris... Ah non, je vais sauver mon fou. Bon, c'est ici que ça commence à être intéressant, là. Là, j'ai pris le pion, si je me souviens bien. J'ai pris le pion en F4. Yes. Et là, je pense que c'est le move qui a été fatal pour... Ben, attends, les blancs ici, je me souviens plus qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont pris mon pion, probablement. Ouais, et voilà, c'est ça, c'est ce que je pensais. Fallait que j'aille ici en H4 pour sauver ma dame. Bon, je le mettais échec, c'était quand même bien pour moi, mais... Mais j'ai fait quoi déjà? Je suis allé en... G? Non, c'est ça, j'ai bougé le fou. Et là, ici, j'avais une case qu'on m'a dit. C'était laquelle? Ah, attends. Ah non, c'est ça, j'ai fait ça. Et là, je pouvais aller en G, ouais, ben oui. Pourquoi j'ai pas vu ça? C'est con, j'étais certain que madame, elle était dead. Que c'était fini pour madame. Et là, j'ai pris. Mon adversaire a dû se demander qu'est-ce que je faisais là pour... Ouais, on va revenir ici, on va revenir un peu, là, je vais vraiment me souvenir de ça. Donc, oui, effectivement, j'aurais dû me sauver. Et par-dessus tout, ici. Ouais, c'était... Là, ça m'aurait donné vraiment
un meilleur positionnement. Parce que lui, il est échec, probablement qu'il va se sauver ici en D ou peut-être en F. Moi, je peux prendre un petit pion ici, un pion de plus, tant mieux. La madame est quand même super bien positionnée dans la troisième rangée. Ouais, c'était le move à faire. Ouais, rest in peace, la dame. Yes. Ouais, reviens un peu en arrière quand il joue G4. Je suis comme trop revenu en arrière. Ici. Ouais, quand il joue G4, c'est ça. Là, normalement. Là, j'aurais déjà, probablement, au lieu d'avancer ici, j'aurais dû faire ça. Le bon move pour moi, ça aurait été d'aller en G6. Et là, ensuite, j'ai simplement poussé mon pion et ça m'offre une belle diagonale pour ma dame. Ouais, ça aurait été probablement mieux, en effet. C'est G5, toi, tu voulais G4, t'as raison. Fait que quand les blancs jouent G4, donc ici, j'ai fait un truc qu'il fallait pas là. On était à quel coup? Je sais plus. Fait que les blancs jouent G4 ici là. Bam. Les blancs jouent G4. Moi, j'ai fait quoi à ce moment-là? Ouais, j'ai sauvé le fou. Alors que Starkfish me dit, non, prends le cavalier, c'est meilleur. Ouais. Ouais, on aurait échangé, puis j'aurais... Ouais, mon pion aurait été plutôt bien positionné. Ben, c'est-à-dire qu'il l'aurait pris tout de suite après avec le fou, mais... Je sais pas. Okay. Bon, c'est bien tout ça. C'est bien tout ça, mais moi, il va falloir que je me prépare pour le travail. Je travaille en soirée aujourd'hui. C'est pour ça que je stream en après-midi. Sinon, certainement que j'aurais streamé en soirée. Je sais pas si quelqu'un du team Échec Mental va streamer plus tard aujourd'hui. Peut-être Sébastien, peut-être Léa, je sais pas. Sinon, jeudi, comme toujours, c'est sûr. Mais avant de vous quitter, mes chers amis, merci beaucoup pour vos conseils d'ailleurs. Je pense que j'ai le temps de faire un petit blitz. On va terminer là avec un petit blitz. Espérons que ça va se terminer en beauté. On va y aller avec un 3 minutes. Non, c'est trop. C'est trop court pour moi. On va y aller avec 5 minutes. 5 minutes. On termine ça. C'est parti avec D4. Ah, désolé, bébé, je vois que t'avais plus de commentaires par rapport à la dernière partie, mais on y reviendra. Dans le Discord, ce serait une bonne idée d'aller analyser ça davantage. Grand Rock. Bon, il veut s'en prendre à ma dame. Évidemment que c'est non. Cette fois-ci, on va essayer de sauver la dame. Oh oh, il y a quelque chose de dangereux ici là, qui se prépare. Il faut que je trouve une manière de contrer ça. Ce sera pas simple. Ouais, ce sera pas simple pour moi. Peut-être falloir que je sacrifie une pièce. Ou que je bouge le roi, tout simplement. Mais non, même si je vais en B, c'est pas mieux.
Ouais, on va peut-être perdre une tour. On va peut-être bien perdre une tour, à moins qu'il... Là, là, ça s'en vient dangereux, cette situation. Ok. Non, il faut bouger, là, il faut faire quelque chose. Ça ici, A3. Parce que je voulais pas permettre à la dame de prendre ce pion-là, là. Ok, cool. C'était pas pour menacer le cavalier que je faisais ça, mais c'est comme ça qu'il l'a interprété. Tant mieux pour moi, ça m'arrange. Ça me donne un peu plus de temps pour me défendre. Puis, ouais. Il faut que je déloge un petit peu la dame, il faut que je déloge le fou. Je peux pas vraiment le faire avec mes pions dans l'aile dame parce que sinon je parle à la protection de mon roi. Alors. Je vais m'attaquer plutôt à son fou. On va voir. C'est vrai que c'est un blitz par contre. Il va falloir que j'accélère un petit peu le rythme de mes coups. Ce qui serait bien pour lui, c'est de jouer E4 pour le fou. C'est une case qui est quand même doublement protégée par son pion et par son cavalier. S'il fait ça, qu'est-ce que je devrais faire? Je vais m'en prendre à son cavalier, je pense. Et là, s'il bouge le cavalier, je prends le fou avec mon cavalier. Il va prendre avec son pion, on en revient au même. Oh là là. Et il revient à la charge. Il a compris que c'était pas une menace pour lui, mon petit pion. Oh oh. Ah, c'est pas gagné d'avance, hein. En plus, il menace ma tour ici. Ah, là, il faut que je prenne. Ouais. Il va sûrement prendre ma tour, en fait. J'aurais peut-être dû reculer la tour en D1. Yes, c'est ce qu'il a fait. Ah, il me reste pas énormément de temps là. Je suis à 1 minute 47. Mon adversaire a un peu plus de temps que moi en plus. Ici, je pense que si j'ai l'occasion, je fonce sur le cavalier. Et au pire, on échange les dames. Ouais, on va faire ça. Ne serait-ce que pour... changer un petit peu là ce qui se passait sur l'échiquier. Je trouvais que j'étais plutôt sur la défensive. Ça commençait à m'énerver. Oh oh, j'avais complètement pas vu ça. Ok. Oh mais non, c'est con. Aïe aïe aïe. Voilà. On se dirige vers une petite défaite ici là. Mais tantôt, j'ai fini par gagner, même si j'ai moins bien joué que l'adversaire. Donc, on sait jamais, ça peut se reproduire encore une fois.
Oups, rest in peace, la dame, round 2. Oui, je sais, aujourd'hui, je m'en fous des dames. On les donne. C'est gratuit, les dames. Est-ce que je prends son fou? Je vais perdre mon cavalier. Ouais, non. Ok. Bon, au moins il a reculé. Ça veut rien dire, mais. Hey, salut mon petit sapin, ça va bien? Oh oh. My god. Ouais, non, je pense. On va prendre une petite pause d'échec pour aujourd'hui après ça, là. J'ai plus la tête pour jouer, là. 42 secondes. Boy oh boy. Oui, ça va bien, au sapin. Fin de stream. Je terminais ça avec un petit blitz, mais... Mais je suis peut-être pas encore au point pour jouer des blitz, en toute honnêteté. Quand je joue des parties rapides, 10 ou 15 minutes, ça va encore pour moi, là, mais... Des blitz, ça se passe un petit peu trop vite encore. Ça n'est pas contre qui, là, bien sûr, mais... Bon, qu'est-ce que je peux faire? Faudrait que je protège mon roi. Ouais. Ici, il n'y a plus grand chose que je peux faire. Je vais lui concéder la victoire. Bravo, Matchy Peach. Bon, ben c'était tout pour le stream d'aujourd'hui. Écoutez, je suis quand même content de l'avant-dernière partie, pas celle-là, pas ce blitz-là, mais l'autre d'avant, que j'ai gagné de manière un petit peu imprévisible. Là, je m'attendais vraiment pas à gagner cette partie-là. Comme quoi, il faut être tenace, hein, finalement. Je veux dire, même quand on fait une gaffe, même quand on perd notre dame alors qu'on aurait pu la sauver, rien n'est tout joué. Hein, c'est-à-dire qu'on a toujours l'occasion de se reprendre, de contre-attaquer. Il faut être tenace. Il faut vraiment être tenace, en fait. Puis des fois, ça en vaut la peine. Donc, écoutez, comme je disais tantôt, on sait jamais, peut-être que plus tard aujourd'hui, un autre membre du team Échec Mental va streamer à son tour. Sinon, peut-être demain ou certainement jeudi, comme toujours, les jeudis soirs, c'est toujours notre stream officiel où on se réunit les trois ensemble pour streamer. Et puis, ben malheureusement, Saphirose est pas venue nous dire coucou aujourd'hui. Hier, elle disait qu'elle voulait prendre sa revanche, mais écoute, si jamais tu réécoutes ce stream, Saphirose, ce n'est que partie remise. Si tu es là jeudi soir, toi et moi, on s'affronte. Tu as droit à ta revanche, effectivement. Je pense que tu as bien joué jeudi dernier, mais tu n'as pas joué au sommet de ton talent. Ce n'était pas représentatif, en fait, de ton jeu, je pense, habituel. Alors, on va se reprendre. Puis, merci encore une fois à vous. Merci pour votre présence, votre participation. Chris Blitz, qui était là en début de stream. Super belle rencontre qu'on a pu faire la semaine dernière lors du... party d'anniversaire de Bebe. Merci à toi, Bebe. Merci pour tes commentaires durant l'analyse de la partie. On aura l'occasion, là, clairement, d'en rediscuter sous peu dans le Discord. Et puis, merci, bien sûr, à Deadlocks. Merci pour tes encouragements. Merci pour tes conseils. Merci d'être patient, même si des fois, on prend du temps avant d'appliquer les conseils que tu nous donnes. C'est pas qu'on y croit pas. C'est juste qu'on est des mazettes, comme on dit dans le monde des échecs. On commence. Alors, des fois, faut nous répéter les trucs une fois ou deux là, avant que ça rentre dans le coco. Mais c'était toujours un plaisir. Puis on remet ça là, la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous suivre, bien sûr, ici même sur Twitch, dans le Discord, sur Instagram, sur Facebook.
on est partout et on a toujours beaucoup de fun à engager la conversation avec vous. So, venez nous voir, gênez-vous pas, si vous voulez jouer contre nous aussi. Puis soyez présents jeudi soir, apportez votre bière. On se fait un petit party, échec et bière, comme toujours. Salut vous tous, à la prochaine.